J'ai envie de voir concrètement comment on imagine un futur sans pesticides. Et ça, on va le faire dans une région agricole hyper importante pour l'Europe, la Toscane, ici, en Italie, où on produit une partie de nos pâtes, une partie de la farine qui va servir à faire notre pain ou la pâte à pizza. Je vais aller voir Elia, qui est derrière moi en train de travailler, et les scientifiques de l'université Santa Anna de Pise, pour voir comment INRAE a élaboré avec ses partenaires européens les scénarios pour 2050. Elia vient de commencer à travailler sur l'entreprise agricole familiale. Il a suivi de près les discussions autour du glyphosate. Et il m'explique où en est la transition sur sa ferme. Ci stiamo già muovendo per comunque ridurre le quantità di pesticidi che diamo sul terreno e con il consorzio di Terre dell'Etruria produciamo il grano no glifosate, cioè ci impegniamo a non utilizzare glifosate sui terreni dove appunto produrremo il grano che poi andrà a fare un ciclo chiuso per la pasta toscana. Però a livello di colture primaverili come mais e girasole, però ancora non siamo riusciti a trovare un metodo che sia efficiente per estirpare le erbe infestanti in maniera completa, quindi in piccole quantità, ma comunque lo stiamo utilizzando ancora. In futuro vedremo se ci saranno magari dei sistemi innovativi per evitare di usarli, noi saremo ben contenti, però per adesso ancora non riusciamo. Elia s'occupe de 400 hectares, représentatifs de l'agriculture toscane, très spécialisée en grande culture et qui exporte plus de la moitié de sa production de pâtes. Est-ce que tu penses que c'est réaliste d'imaginer une agriculture sans pesticides? Sicuramente difficile competere con il mercato estero anche a livello di produzione e anche avere un mercato mondiale, siamo svantaggiati. E anche le quantità, le percentuali di pesticidi che possiamo avere in una partita di prodotto sono molto inferiori alle loro, quindi... Le zéro pesticide, ça oblige à repenser tout le système. C'est ce que m'expliquent Stefano et Giovanni. Ces deux scientifiques de l'université Santana ont remarqué que l'ensemble de la filière doit être accompagné. Et pour que je comprenne bien l'enjeu, Stefano et Giovanni m'emmènent sur une ferme qui a pris un peu d'avance, celle de Fabiano. Ça fait une dizaine d'années qu'on est certifié bio, du coup là, il n'y a vraiment plus rien. Et même les produits qui sont autorisés en agriculture biologique, CGP, j'essaie d'éviter de les utiliser. Par exemple, l'an dernier et l'an d'avant, j'ai fait aucun traitement aux oliviers, zéro. The less you use, the more independent you are from any kind of inputs coming from outside your farm, the better it is, because you are more independent and then you can have more capacity to withstand problems in case you face. Fabiano a gagné en indépendance et il fait des économies importantes depuis qu'il n'achète quasiment plus de produits. Mais comment sa ferme peut-elle être viable si elle est moins productive? J'essaie de créer un système qui marche, vraiment un micro-écosystème au niveau de la ferme. Donc on élève des cochons avec les restes de la farine, c'est pour l'idée d'avoir une économie circulaire. Le fumier des cochons, on l'utilise comme engrais dans les oliviers. Les déchets de taille, on les utilise dans les potagers pour pailler. C'est ce que tu manges et c'est ce que tu sers à tes invités. Attention à l'eau courante. Hein. Je vais le couper. Fabiano produit tous les aliments dont il a besoin pour sa famille et pour les vacanciers qu'il accueille en gîte à la ferme. Il y a quelques années, je faisais un potager beaucoup, beaucoup plus grand. De plus en plus, j'ai réduit la taille. Je préfère faire un moins et mieux. Il y a les salades au milieu des choux-fleurs, là. Ouais, parce c'est que quand même, c'est bien serré. Ça s'appelle green mulching, ça veut dire du paillage vert. C'est-à-dire qu'on augmente la densité des plantes cultivées pour, quelque part, suffoquer les mauvaises herbes. Fabiano a largement diversifié les productions de sa ferme. Il élève même des poules à l'allure exotique. Ah oui, je peux rentrer? Oui, bien sûr. Sous les vignes. Là, j'élève une dizaine de races anciennes. Il y en a qui datent du 19e siècle, mais il y en a aussi qui datent du 18e, ou même avant. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'avoir toutes ces races différentes? Alors, tout a démarré par les œufs colorés. Et après, je me suis un peu pris au jeu et j'ai découvert les autres races. Et petit à petit, j'ai augmenté. Mais aujourd'hui, c'est lucratif. Aujourd'hui, c'est lucratif, ouais, heureusement. Ah, elles sont magnifiques en tout cas. Merci. Et au bout de la chaîne, Fabiano fait pousser du blé. Pour le transformer, il a noué un partenariat avec un paysan meunier, Luca, qui cultive et transforme une dizaine de variétés de céréales bio différentes. Et pour chacune d'elles, il doit recalibrer son moulin. Chaque grain est différent.
ils sont formés différemment. Une c'est plus ronde, une autre c'est plus petit, une autre c'est plus grand. À chaque variété, tu dois changer de travail. Oui, absolument. Quand tu me racontes ça, je comprends que les grands agriculteurs, ils aient intérêt aussi à avoir une seule variété parce que c'est beaucoup plus simple. Oui, il y a un réglage et c'est une variété, un réglage. Absolument. Mais toute la part de l'agriculture avec une variété, c'est plus facile. Pourquoi tu fais ça alors avec autant de variétés? Non, mais non, je mange. Tu manges mieux? Oui. Les pâtes produites à partir de son blé bio, Fabiano les vend directement à la ferme. C'est possible parce que la production est petite. Si j'avais une grosse production, ce serait difficile, il fallait passer par un supermarché ou un grossiste. C'est le sujet aussi soulevé par l'étude de Stefano et Giovanni, c'est que si tu essayes de penser ça à très grande échelle, c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Complètement, complètement. Si, ça marche à cette échelle-là. Is it possible to imagine a system like this one at Fabiano's farm on a big scale? It's strongly interconnected with the political and economical issue that not the single can decide and try to change. And we as researcher, we have to think on both the system and try to understand how they work and how they adapt to different conditions. The answer, I think, is the diversity and trying to take the best from the different contexts and try to apply context-dependent solutions. La diversité, c'est aussi la recette que les scientifiques proposent d'appliquer sur les parcelles, avec des cultures associées mélangeant céréales et légumineuses. This is exactly an intercropping where we grow together wheat and sulla. Edisarum coronarum, it's the Latin name. It's the flower here we see. Yeah, this red nice flower. You can see here. Why did you choose this one? The idea is that first of all it has to be a legume, so it fixes nitrogen, okay. And so it don't compete with the wheat for the nitrogen. It has a very deep root, very strong kind of root that also has a different shape than the wheat, so they don't compete even for the underground space. And okay. This is also very interesting and important to allow the two crop to grow together. Ce sainfoin italien apporte de l'engrais et ne laisse pas de place aux adventices. Le principe existait bien avant les pesticides. Et aujourd'hui, l'agriculture et la recherche avancent ensemble vers une meilleure connaissance de cette pratique. Indeed, if you see this field is pretty clean. You don't see so much weeds as you can maybe find in the other fields. Stefano et son équipe multiplient aussi les essais sur les parcelles de l'université pour servir d'exemple pratique aux agriculteurs de la région. We grow them separately, alone, and then we grow them together, and then we measure how good they are in managing weeds, how good they are in producing, how good they are in fixing nitrogen, using nitrogen in the soil, phosphorus. When you grow lentils alone, like here, it should be higher like that, but indeed it goes down because it has not the capacity to self-stand, in particular when it grows a lot. This is Triticum durum, okay. Durum wheat, and inside we have lentils. And the lentils are here to produce pulse. So inside we have lentils. So you can harvest both together? Exactly. Alors avec cette technique qu'expérimentent les scientifiques, moi je vois personnellement que des avantages pour les agriculteurs parce qu'on a peut-être un tout petit peu moins de céréales, mais en mettant les lentilles sur la même parcelle, eh ben on a une deuxième culture à récolter. Associer les plantes pour qu'elles s'entraident et repenser toute la filière agricole et alimentaire. J'ai voulu demander à Elia s'il se voit adopter ces techniques sur sa ferme, à grande échelle. Toi, tu commences tout juste ta carrière d'agriculteur. Est-ce que tu penses que dans ta génération, c'est plus naturel de penser à l'écologie, aux sans-pesticides, etc., que dans celle de ton père, par exemple? Sì, certo, sicuramente prenderemo in considerazione nuove tecniche. Da qui al 2050 non sappiamo cosa succederà, c'è molto tempo e con i passi che stiamo muovendo sul campo agricolo, insomma, si spera che di farcela. Io sarei molto contento che i pesticidi siano comunque eliminati o ridotti. Quand
Comme toujours dans mes vidéos, je fais attention à aller voir des petits producteurs comme Fabiano et des grands producteurs comme Elia. Et j'ai remarqué que tous sont prêts au changement, à condition que le système qui les entoure sécurise leur démarche. Et c'est ça que je retiens du travail des scientifiques de Pise avec INRAE pour élaborer ce scénario de 2050. Alors il y a encore un très long chemin jusqu'au zéro pesticide, mais il reste plus d'un quart de siècle. Alors si d'ici là vous voulez continuer à suivre les innovations agricoles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Mon field trip se poursuit et j'ai rendez-vous avec une scientifique estonienne dans l'ouest de la France, où elle réalise des essais sur la betterave. Restez curieux.